bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir aussi nombreux. Je tiens d'ailleurs à féliciter le corps enseignant d'être aussi présent ce soir pour la venue de notre ami, comment tu t'appelles nouveau ? Luca Merlini. Je reconnais aussi beaucoup d'anciens étudiants de Luca. Et je tiens aussi à remercier les supporters de l'Olympique Lyonnais de nous avoir rejoints malgré cette date importante ce soir, qui fait qu'on a un amphithéâtre un petit peu clairsemé, mais malgré tout bien fourni. Pourquoi ? Parce qu'on a le plaisir d'accueillir Luca. Donc Luca, merci. Luca, le retour. Donc bienvenue chez toi. C'est une soirée Heimlich. Tu nous fais le plaisir de revenir ici où tu as professé pendant 1994-2003. Je crois que c'est aussi un des professeurs les plus fidèles de cette école, donc je tenais à le saluer. Luca est né à Mendrisio, donc c'est un Tessinois qui a subi les influences tessinoises et pourtant qui s'en est éloigné très tôt, puisque après avoir fait son diplôme au Polytechnicum de Zurich, il est allé rejoindre à New York Bernard Tschumi, que vous connaissez tous, qui a été longtemps, encore récemment, dean de Columbia University, avec lequel tu as longtemps collaboré, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en particulier sur un projet que vous connaissez tous et que je vous demande d'aller relire et revoir, le projet du parc de la Villette, où tu étais chef de projet, à la fois sur la conception mais aussi sur la réalisation. Ce qui ne t'a pas empêché par la suite d'ouvrir ton propre bureau à Lausanne, tout en continuant ton activité internationale avec Tschumi sur de nombreux concours et programmes à l'étranger. Puis par la suite, tu as ouvert un bureau en association avec Ventura, donc le bureau Merlini Ventura à Lausanne, qui depuis travaille énormément sur les questions de l'aménagement urbain et de l'infrastructure, puisque tu as réalisé près d'une quinzaine de gares sur Lausanne, des stations de métro, mais aussi évidemment de par tes recherches, tout un ensemble d'espaces publics qui nous intéressent beaucoup et que je vous engage que certains ont déjà évidemment visité ou connu par les nombreuses publications dont ils ont fait l'objet, mais qui restent des projets tout à fait ancrés à la fois dans ta pratique mais aussi dans ta théorie, parce que je crois qu'il y a une dimension qui est très intéressante chez Luca Merlini, c'est cette inscription dans une tradition académique qui est à la fois celle de l'enseignement. Ces petits bruits là, c'est gênant, non ? À la fois de l'enseignement, mais aussi de la théorie architecturale, de l'écriture, des livres, de nombreux livres. D'ailleurs, très prochainement, un nouvel ouvrage qui sera intitulé « Au pays des maisons longues » devrait sortir, mais il y en a toute une série, je vous les cite, parce que j'en ai lu certains, mais pas tous. Pour les plus connus, « Les habitants de la Lune », Pôle architectural, géographie de la disparition, et bientôt le pays des maisons longues, etc. Et chez de nombreux éditeurs, les uns plus intéressants que les autres, entre autres chez Hubert Tonka. Toute une dimension d'écriture à la fois sur la théorie et la pensée architecturale, mais avec une dimension que vous pouvez déjà sentir dans cette première image, qui est une grande poésie, une poésie de l'espace, un jeu savant des espaces qui se confronte avec courage à la question de la modernité, de la difficulté, de l'infrastructure, des échanges, des flux, donc des domaines très techniques. Je dois le dire, nous sommes tous très envieux de cette démarche qui arrive à lier de manière tout à fait cohérente un travail extrêmement créatif, parce qu'il y a une dimension artistique au-delà de la poésie des mots et des idées qui s'inscrit dans les dessins, à tel point que une grande exposition monographique a été menée en 2007 à la Villa Noailles, une exposition absolument magnifique, un catalogue aussi qui reprend énormément de tes dessins, de tes idées, et donc cette idée qu'il y a un lien possible entre la création pure et simple, la poésie, les mots, le territoire des disciplines de la théorie et de la pensée architecturale,
et une implication réelle dans le domaine de la construction et de la fabrique. Je te remercie et je te cède cette tribune où tu as si longtemps officié pour le bonheur de nous tous. Je te remercie beaucoup de ta venue. Merci, merci Georges, merci à... Merci à l'école de m'inviter, merci à Georges pour cette introduction. Donc je vais essayer d'être à la hauteur des compliments, ou si ce n'est des compliments, en tout cas des choses riches qui ont été dites et qui, j'espère, effectivement correspondront à la démarche que je vous présenterai. Alors évidemment, quand on m'a invité de... évidemment, lorsqu'on m'a invité à faire une conférence ici, comme il m'est déjà arrivé de faire quelques conférences à Strasbourg, je me suis dit, mais sous quels habits allais-je me présenter ? Est-ce que j'allais présenter l'architecte constructeur ? J'aurais pu tenir une conférence sur mes travaux construits, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais je suis de plus en plus convaincu qu'une architecture construite doit être plus vécue que décrite. Et je suis assez peu porté à une conférence de belles photos, comme on pourrait les voir ici, même si je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est effectivement le travail qu'on a fait ces années récentes à Lausanne sur les questions des stations de métro. Ici, c'est une place de marché, une place où se tient un marché régulièrement et simplement avec cette sortie qu'il s'agissait d'abriter. Nous avons voulu jouer avec des verres de couleur qui changent de couleur en fonction de l'inclinaison de la lumière et qui donc permettent de restituer un peu le jeu des toiles, des étals de marché. Et puis, le travail autour de l'interface des transports publics au Flon à Lausanne, fait aussi avec Bernard Tchoumi, là, qui montre tout d'abord que l'architecture est un travail de patience, puisque entre le concours qu'on a gagné, projet Pontville, et sa réalisation, ils sont écoulés pratiquement 20 ans, en plusieurs phases. C'est une série de gares qui sont connectées entre elles, la passerelle et autres. Et pour nous, a été un travail assez important sur toute la question de la topographie lausannoise. C'est vrai qu'à Strasbourg, quand on parle de topographie, je me souviens en tant qu'enseignant, une des grandes difficultés, c'était le problème de la coupe, parce qu'à Strasbourg, tout est horizontal, donc on ne sait pas comment travailler dans la coupe. C'est un travail important, alors qu'à Lausanne, on est dans la coupe, on est dans les plis du sol et autres, et ce travail, effectivement, est une question sur toute la question de comment des couches du sol sortent, émergent, creusent et permettent finalement, effectivement, de fabriquer non pas des bâtiments, mais effectivement des entre-deux dans lesquels se glissent des entrées, des équipements et autres. Mais ce n'est pas de ces projets-là, finalement, sur lesquels je vais m'attarder. Voici l'ensemble ce qui s'appelle le nom de Place de l'Europe, avec l'interface des transports publics, donc. Mais j'aurais aussi pu me présenter sous l'angle de l'architecte théoricien. J'aurais pu alors vous parler de projets jamais réalisés. Vous avez ici, ils sont assez nombreux, comme le montre cette diapositive. Elle assemble 121 vignettes qui synthétisent chacun de mes projets de papier, comme si l'est aussi celui-ci, justement qui fera l'objet du livre, Le pays des maisons longues, qui était une interrogation, c'est un des chapitres du livre, l'interrogation sur que sera habité demain, avec 8 thèmes sur l'habitation de demain, 8 thèmes qui se rencontrent les uns contre les autres, comme dans un tournoi de tennis, quart de finale, demi-finale, finale, pour aboutir à un modèle, semble-t-il, idéal, qui est la maison longue. Mais je ne m'attarderai effectivement pas sur ce projet-là, parce que les architectures de papier sont parfois des opérations qui n'ont pas abouti, mais sont souvent des concours perdus ou simplement des projets faits pour rien, pourrait-on dire, c'est-à-dire fait pour développer des idées, concepts ou envies qui me harcèlent et dont je voudrais voir s'ils ont une consistance possible. Mais parler des projets qui ne se réalisent pas aurait aujourd'hui, dans une époque beaucoup marquée par le faire
et assez peu par les théories, quelque chose du bon perdant ou du défenseur de l'inutile. Évidemment, je vais parler des deux, c'est-à-dire de ce qui réunit des moments différents d'une pratique, montrer comment une œuvre construite est l'enfant d'autres projets, ceux qui sont restés au stade d'essai, ou plutôt comment chaque projet est un projet à la fois sans véritable début et sans véritable fin. Comment un projet commence dans d'autres projets qui le précèdent et finit dans d'autres qui lui succèdent. Parlons donc de quelques idées sur l'architecture en général. Parler d'architecture est une chose complexe. Mon dentiste, le docteur G, est un passionné d'architecture. Il considère que les dents sont des micro-architectures. Il n'a pas totalement tort. Une dentition, c'est un système d'objets solidaires qui forment un ensemble à la fois naturel et artificiel. Ici, dans une image quelque peu kitsch ou trash, on peut voir le crescent de basse et une dentition. Cette image devrait plaire au docteur G. Chaque fois que je vais chez lui, heureusement pas très souvent, il voudrait que je lui parle d'architecture et je me rends compte de la difficulté d'en parler. Pas de l'architecture comme prouesse objectuelle ou comme histoire stylistique, mais de l'architecture comme un résumé du monde dans lequel on vit et qui est ce à quoi on est confronté en tant qu'architecte. Il y a quelques mois, la Maison de l'architecture d'Île-de-France a invité les 7 écoles parisiennes, franciliennes du moins, à se présenter lors de soirées successives et à tenir une conférence sous le titre « Qu'est-ce que l'architecture ?». Sacré intitulé, et mon école, l'école de Paris-Malaquais, m'avait chargé de cette mission et ça m'a donné beaucoup de travail de préparer une telle conférence. C'est pour ça que je vais vous la représenter partiellement modifiée ce soir. Évidemment, ce n'est pas le point de vue d'une école que j'allais présenter, car il n'y a pas dans une école un point de vue unique et doctrinal, mais des positions. La qualité d'une école est, je crois, dans sa capacité à accepter, favoriser et faire fructifier les diversités qu'elle contient. Si l'on imagine l'architecture comme un processus complexe et responsable de transformation de la matière autant physique qu'intellectuelle, le rapport, le regard, l'action que l'on peut avoir sur le sens et les formes que peut prendre ce processus sont forcément pluriels. C'est donc les réflexions personnelles d'un architecte qui pratique, qui enseigne, qui construit, qui écrit et qui dessine, qui ont été présentées ce soir. Et c'est une version modifiée, effectivement, de cette conférence sous son titre monstre « Qu'est-ce que l'architecture ?» que je vais vous présenter ce soir. Mais je vais commencer par, malgré la gravité du titre, par une certaine légèreté. L'été dernier, en vacances, j'étais à Rome, de passage à Rome, et j'ai visité dans le musée de la Rapacis, construit par Richard Mayer sur les bords du Tibre, une exposition dédiée à Alessandro Mendini. Il y avait un dessin qui portait ce titre « Può essere l'architettura un fiore, sì ma con le spine ». Est-ce que l'architecture peut être une fleur ? Oui, mais avec les épines. L'architecture a trouvé là une définition lapidaire parlante, concentrée et poétique. Je l'ai transmise, et si mon devoir était de répondre à la question « qu'est-ce que l'architecture ?», je pourrais m'arrêter là, mais je vais prolonger malgré tout un tout petit peu. Pour tenter de donner une réponse à cette question « qu'est-ce que l'architecture ?», je vais procéder comme le font les architectes face à un projet. Je vais utiliser l'imprévu, mieux l'indéterminé que laisse le programme. On sait que les architectes travaillent à partir d'un programme très précis sur nombre de points, les mètres carrés, le nombre de locaux à prévoir, les fonctionnements, les normes techniques, etc., etc. Mais les programmes laissent en général des plages indéfinies. Les projets intéressants sont ceux qui savent se glisser dans ces fissures. Tous les grands projets au sens de projets qui apportent une contribution intellectuelle, au débat intellectuel et à la sensibilité du monde ont cette particularité d'avoir désobéi quelque part. L'architecture a une part obligée de désobéissance, quelle que soit la nature de celle-ci, programmatique, esthétique, sociale, politique. Un premier exemple d'une forme de désobéissance nous mène à Turin au XVIIIe siècle. Guarino Guarini, lorsqu'il projette et construit l'église de San Lorenzo, opère un renversement des hiérarchies perceptives. San Lorenzo, c'est dans l'histoire de l'architecture, avant tout une coupole, merveilleuse de légèreté et de technicité, c'est un Spoutnik avant l'heure. Mais la beauté intrinsèque de cette coupole et de son inventivité formelle ne sont pas une finalité.
Elles sont les instruments pour nous mener là où Guarini veut nous mener. En effet, Guarini installe cette coupole derrière une façade quasiment domestique, avec des alignements réguliers de fenêtres, une toute petite porte, une sorte d'immeuble comme on en trouve ailleurs, à côté, partout dans Turin. En la voyant, en y pénétrant, on a le sentiment de rentrer chez soi avec le pain sous le bras. Habitant provisoirement de cette coupole Spoutnik, on se retrouve projeté bien au-delà de la religion. On se retrouve physiquement projeté dans l'espace interstellaire. On pourrait ne voir là de ma part qu'une interprétation un brin anecdotique. Je crois que cela va en réalité beaucoup plus loin. Par une désobéissance à quelques codes du langage et dans une sorte d'inadvertance volontaire, Guarini offre une idée. Il offre l'idée que le plaisir d'immensité est possible pour chacun. Il construit l'idée et donne une forme physique à cette idée que le plaisir d'immensité a quelque chose de simultanément modeste et démocratique. Et cette idée cachée par une petite porte est certainement un détournement même de ce que le pouvoir qui le commanditait en tant qu'architecte lui demandait officiellement. Offrir à l'autre une idée généreuse, ça pourrait être un bon début pour un projet. Second cas de figure, présentatif d'une autre forme de désobéissance. Je prends comme exemple une des 12 villes idéales dessinées par Super Studio au début des années 70, ici illustrée par la ville numéro 12, la ville des livres. Sans entrer dans les détails, rappelons la démarche de ce projet. 12 villes imaginaires sont décrites. Elles semblent toutes sortir d'une fable avec les caractéristiques des éléments récurrents des fables. Une grosse part de cruauté et des parcelles de merveilleux. Elles paraissent en tout cas ne jamais devoir ou pouvoir exister. Mais la conclusion du texte qui accompagne le projet est tout autre. Elle signifie en gros que s'en tenir à une lecture littérale des descriptions est une illusion et que l'on n'a rien compris au cynisme volontaire du travail. Ces 12 villes imaginaires et leur monstruosité sont simplement les villes dans lesquelles nous vivons. C'était en 70, imaginons les 12 mégalopoles que de turbulents enfants du groupe Super Studio pourraient décrire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que procéder par une désobéissance méthodologique fournit les outils pour projeter avec lucidité face à des contextes dont on ne peut faire comme s'ils n'existaient pas. Car si au départ de tout projet, il y a toujours une question, on attend de l'architecte qu'il apporte logiquement une solution. Les architectes comme Super Studio préfèrent répondre à la question en y superposant une nouvelle question. Une manière d'affirmer que l'architecture est, se doit d'être en tout cas, une discipline critique et inquiète. J'ai d'ailleurs hésité à intituler cette conférence « L'intranquillité du projet ». Car l'architecture, si elle naît dans les questionnements, dans l'analyse, dans l'observation de la vie, dans des maelstroms de pensée, aboutit, qu'on le veuille ou non, dans une ou des formes. À la fin de tout processus de pensée de l'espace, il y a production de formes. Tous les architectes, même ceux qui nient la primauté de la forme comme objectif majeur, finissent par en produire. Cette forme produite est celle que l'on donne, en tant qu'architecte, au rapport entre les humains. Dessiner la forme des rapports humains, c'est une belle responsabilité, mais certainement intranquille. Je ne m'attarderai pas ce soir à donner une définition somme toute définitive, sloganesque de l'architecture, comme le fait Mendini. Au contraire, ce qui m'intéresse dans l'architecture, ce sont peut-être justement certaines imprécisions, certaines marges floues. Je parlerai de comment on arrive à l'architecture lorsqu'on est architecte, c'est-à-dire par le projet. Non parce que le projet est ou résume l'architecture, mais parce que le projet permet, ou du moins me permet, de comprendre quelque chose à propos de l'architecture. J'aurai une approche par accumulation de morceaux choisis, ou mieux d'indices trouvés, comme lorsque sur un plan de travail, au moment de projeter, se retrouve entassée toute une série de données, matérielles ou virtuelles, sans qu'on ne sache encore qu'en faire. Par leur manipulation, intuitive ou raisonnée, itérative ou chaotique, on en découvre le rôle en cours de route. À la fin, l'assemblage de ces données tient la route, mais on sait que d'autres assemblages auraient été aussi possibles, que d'autres constructions auraient pu naître. C'est peut-être cet usage du désordre et des enchaînements que suggèrent Deleuze et Guattari, encore eux, dira-t-on, lorsqu'ils écrivent le texte d'où j'extrais la courte citation qui suit. Il peut arriver que nous croyons avoir trouvé une solution, mais une nouvelle courbure du plan que nous n'avions pas vu, d'abord, vient relancer l'ensemble et poser de nouveaux problèmes,
un nouveau train de problèmes opérant par poussées successives et sollicitant des concepts à venir à créer. On peut rapprocher cette citation des cartes que dessine l'architecte italien Stefano Mirti. Mirti représente l'environnement conceptuel où l'architecte puise ses ressources. Le principe même de la carte suppose aussi, là aussi, des pistes qui se découvrent au fur et à mesure de la progression dans le territoire. Voilà ce que raconte Mirti dans un court texte d'accompagnement à cette carte, qui date de septembre 09, donc juste après les vacances, au retour des vacances. Son texte dit « Septembre, c'est temps de retourner à l'école, et pour certains d'entre nous, c'est le temps de commencer une école. Au cours des vacances, comme tous les ans, je me suis consacré à construire des cartes conceptuelles de mondes plus ou moins inventés. En été, il y a ceux à qui il plaît de faire de la plongée sous-marine, d'autres de faire de l'escalade. Moi, j'aime jouer avec des softwares improbables et inventer des cartes extravagantes. Celle-ci me plaît beaucoup et elle me semble bien réussie. » Cette carte est un cheminement interdisciplinaire à travers un matériau de référence et de connaissances. Franchir des rivières, des collines ou chaînes de montagnes, comme on passe avec plus ou moins de difficultés selon le relief ou l'obstacle entre philosophie, cinéma, biologie, sociologie et architecture, entre travail à la table et réunion de chantier, entre conception et réalisation. Une sorte de paysage cartographié de comment on pourrait voyager dans la fabrication d'un projet. Effectivement, donc sur cette carte, qui représente un paysage un peu lunaire, vous pouvez voir qu'effectivement sont inscrits des mots qui nous renvoient à notre pratique, laboratoire, workshop, projet final, compétences de base, mais il y a aussi des renvois à des noms de cinéastes, à des noms de poètes, à des opérations scientifiques et autres, et qui montrent peut-être de manière assez intéressante par le média qu'elle utilise, le nuage culturel qu'il s'agit de se fabriquer lorsqu'on fait du projet. Les citations qui précèdent de la carte de Mirti, je retiens une chose qui m'est chère. L'architecture non comme objet, mais comme trajectoire. Un vecteur dynamique qui relie un paysage mental, le plan de travail, à un paysage réel, celui que l'on va peut-être construire ou transformer. Ce plan de travail est le territoire d'architecture où naissent certaines désobéissances. Voilà quelques pièces, je parlais d'indices, qu'on pourrait y trouver. Alors la machine projet est un texte que certains d'entre vous dans cette salle ont déjà entendu. Ça n'occupe pas toute la conférence, donc rassurez-vous. Mais c'est un texte que j'aime bien, il a été écrit il y a quelques années. Il illustre l'idée du projet comme trajectoire, comme grand mouvement entrelacé. Le texte est organisé en trois séquences. A. L'angoisse du conférencier sur la piste du chaos. Me voilà encore une fois en situation de devoir aborder cette question. D'où viennent les projets d'architecture? Pour y répondre, la tradition consiste à prendre une suite de projets et démontrer combien elles forment un ensemble cohérent à travers la présence d'un thème transversal. Ce thème, véritable porte-parole des projets, peut assumer des apparences très diverses. La sensualité des formes, l'épaisseur de l'espace, le poids des murs, le choc des matériaux, mais aussi, pourquoi pas, l'architecture comme hommage à Georges Perec, ou comme la gêne nécessaire, pour reprendre l'expression de Joseph Martorell. La bonne architecture, celle qui transforme la ville et sert la société, se reconnaît par la gêne qu'elle provoque. Cette manière efficace de faire pose toutefois un vrai problème de fond. Elle revient à parler de la logique du projet et non de son chaos. Lorsqu'un projet est derrière, il est naturel de le ramener dans un système. Mais quand le projet est devant, quand tout est encore à mettre en place, rien n'est sûr. Les méthodes servent tout au plus à rassurer, à s'approcher, à caresser. D'où viennent les projets d'architecture n'est pas le sujet d'une démonstration, mais le récit d'incursions successives dans le chaos. Mais peut-être faut-il procéder tout autrement que par la parole. Peut-être convient-il raconter le projet par le projet. Tentons de donner une forme à la machine intellectuelle à projeter et l'imaginer comme une construction. 2. Description de la machine. Au premier abord, cette construction que nous appellerons la machine projet ressemble à une station de métro parisienne à l'envers. Un réseau de couloirs qui, au lieu de s'enfoncer dans le sol, se développe vers le haut. Les couloirs se plient et déplient, se croisent et s'enchevêtrent pour former, en fin de compte, une invitation à la dérive.
L'ensemble des couloirs, agissant comme structure, supporte une plateforme d'embarquement située à quelques dizaines de mètres du sol sur laquelle il débouche. Si tous les couloirs vont à la même plateforme, pourquoi les multiplier et s'interroger en conséquence sur le chemin à prendre ? Chaque couloir est en réalité un parcours dans une condition du projet d'architecture. Chaque traversée de la machine devient, selon le parcours suivi, une approche particulière du projet. Un des couloirs pourrait être celui des icônes ou objets cultes. On y trouve aussi bien les lunettes rondes de Le Corbusier, les costumes sombres ou rayés griffés Agnès B. ou Paul Smith, les kilomètres de portiques d'Aldo Rossi, les dédales borgésiens que des slogans bouleversants. Less is more, utilitas firmitas venutas, to really appreciate architecture, you may even need to commit a murder. Il est très tendance de se montrer dans ce couloir, l'air pressé et énigmatique. Il y a aussi le couloir de l'effleurement. Quelqu'un appelait ça la recherche patiente. Il s'agit là de la stratégie, mais cela relève-t-il de la stratégie ? D'encerclement du projet, lente, hésitante, itérative. Dans ce couloir, on a le sentiment fébrile d'être en permanence à quelques centimètres de là où on devrait être. C'est là qu'on tangente l'infinitésimale idée qui fera date, qu'on effleure la dimension pertinente, qu'on entreaperçoit le subtil déhanchement du volume qui changera tout, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que tout soit différent. L'urbanité, la lumière, la gêne nécessaire. Un troisième couloir est celui des choses à recommencer, ou le projet vu depuis la prison kafkaïenne. Il contient par exemple la demande de permis de construire à redéposer parce qu'il manque une signature. Le projet à refaire plus grand et moins cher suite à un changement de programme. Les 365 présentations du projet, dont celles devant les élus, celles devant les voisins, ou les banquiers, ou les journalistes. 4. L'interprétation en géométrie variable de quelques règlements. 5. L'appel d'offres infructueux. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça sous chiffre 2 ? On peut se diriger dans beaucoup d'autres couloirs, celui des images sublimes, la Villa Malaparte filmée par Godard, celui du respect du programme, celui des méthodes transdisciplinaires, celui des « comment ça va tenir ?», celui de la grande question sans parachute ou siège éjectable, « comment vivra-t-on dans ce que nous allons faire ?», celui de « sur quel logiciel peut-on faire cela ?», ou autrement dit, celui du compassionnel et celui du computationnel, celui, et cela n'est pas un des moins importants, du désir, et tant d'autres encore, comme celui de la bonne tactique, appelé aussi le couloir de ceux qui savent comment s'y prendre. C'est là qu'on apprend comment dessiner volontairement trois mauvaises solutions pour en imposer une quatrième, celle que l'on pense être la seule bonne. Comment faire en sorte que l'interlocuteur ait l'impression que les bonnes idées viennent de lui ? Comment convaincre du juste avec de faux arguments ? Comment exagérer avec équilibre ? Ou le couloir qui nous ressemble ? Il contient ce que chacun d'entre nous est. De manière surprenante, il arrive que ce couloir soit très fréquenté. Cela a quelque chose d'inquiétant. En effet, on finit par ne plus savoir si ce couloir est celui des différences ou celui de l'indifférence. Personne ne connaît le nombre exact de couloirs. Cela n'intéresse personne. On sait juste qu'il semble y en avoir trop. Tout cela paraît compliqué. Mais en retirer certains signifierait fragiliser la structure. Et cela, personne n'ose le proposer. 3. Traverser la machine. On entre dans la machine projet avec l'innocence de celui qui prend le métro, sachant que des informations permettront d'aller là où on souhaite aller. Mais dans la machine projet, aucune indication. C'est au voyageur de faire son chemin, porté par des choix propres ou de hasard. Aller au plus vite vers la plateforme est certes possible. Mais si on y arrive rapidement, on y arrive aussi lacunairement. Au contraire, se laisser aller à l'art de la dérive, en passant de couloir en couloir, est une manière d'y arriver prisonnier d'une sorte de trop-plein. Une fois sur la plateforme, le voyageur choisit une passerelle d'embarquement. Personne à ce stade du parcours ne sait précisément vers où il s'embarque. Il échappe simplement au contrôle de la machine projet. De la passerelle, le voyageur a pour la première fois, et la première et dernière fois, une vue globale de la machine et un regard sur la foule de ceux qui se préparent à y pénétrer. Il a vraisemblablement une pensée pour Dante et sa divine machine projet, « Voi che entrate lasciate ogni speranza »,« Vous qui entrez, laissez tout espoir ». Mais cette pensée à l'arrière-goût de suffisance ne dure qu'un instant, puisque le voyageur sait que chacun possède une clé pour quitter la machine.
Elle consiste à donner une forme à son voyage, et cette forme s'appelle le projet. La forme du projet qui naîtra de cette incursion dans le réseau chaotique de la machine, nous ne le saurons que plus tard, parfois bien plus tard, au cours de ces voyages d'études entre consoeurs et confrères que les architectes, dans leurs habits iconiquement noirs, aiment tant. Cela permettra de parler de la sensualité des formes, de l'épaisseur de l'espace, du poids des murs, du choc des matériaux, mais aussi, pourquoi pas, de l'architecture comme hommage à Pérec, comme la gêne nécessaire. Plus tard, la nuit avancée, lorsque les discussions deviendront plus secrètes, peut-être parlera-t-on de machine, de la machine projet, mais aussi discussion en abîme obligeant de la machine qui a permis le projet de la machine projet. Arrêt sur visage. Deuxième série d'indices. Quelques photos qui traînent sur le plan de travail. On peut y voir des bâtiments, mais pas seulement. Il y a aussi des portraits d'architectes. Les architectes, on connaît la plupart du temps les portraits de style studio hardcore qui les mettent en valeur ou les pipolisent. Bien plus intéressantes sont en réalité les documents qui représentent les architectes en pleine action. Ces images-là sont porteuses d'autre chose, d'une sorte d'animalité vitale, l'animalité instinctive et brutale des moments où on risque gros. Un document montre l'équipe de FOA, Foreign Office for Architects, pendant la réalisation de leur premier projet important, le terminal de Yokohama, achevé en 2002. Ça a plutôt l'air d'une photo amusante et amicale, à l'image du projet sur lequel ces architectes travaillent. En effet, les courbes du terminal sont fluides, comme si des surfeurs étaient venus sculpter un paysage. Les corps endormis aussi semblent appartenir au même monde des lignes douces. Pourtant, il y a une forme de brutalité dans l'image des endormis. La violence de limite repoussée dans certains extrêmes. Les jeunes architectes que l'on voit là travaillent entre la Grande-Bretagne et le Japon, autant sur les formes de l'espace que sur les limites du temps. Dans une sorte de travail continu, ce qui a été fait à Londres est immédiatement repris, digéré, transformé, poursuivi à Yokohama et vice-versa, ils franchissent les lignes pas si virtuelles des fuseaux horaires pour vivre simultanément des hier et des demain avec leurs correspondants à l'autre bout de la chaîne. Ils sont ici dans l'épuisement. Ce qu'on devine derrière la torpeur et la dissolution des corps fait de cette image un espace de violence. Dans cette autre image, Lise van der Rohe regarde une maquette. Cette photo est connue, on la trouve dans les livres d'architecture. J'ai toujours vu la Miss dans l'attitude d'un boxeur, cherchant la faille dans son propre projet, qui est devenu son adversaire du jour, prêt à décocher un uppercut définitif. Faut-il en déduire que l'architecte travaille sur un ring? L'image suivante est une œuvre de Masaccio sur un thème qui traverse à plusieurs reprises la peinture italienne primitive. On y voit Saint Jérôme tirant dessous sa grande robe une maquette d'une église. Le sens qu'on peut donner à ce geste est pour le moins ambivalent. Exhibitionnisme, l'architecture comme révélation de l'intime, offrande, offrir une protection, ou menace, voici mon arme. Tout est possible. Même que des avatars de Saint Jérôme, mélomanes fous de vitesse ou de brume padane, dégainent successivement la philharmonie de Hans Scharoun, le Lingotto de Matte Trucco ou la Maison des Morts d'Aldo Rossi et Gianni Bragieri à Modène. Comme un autre avatar pourrait dégainer une arme avec la même précision et même normalité du geste. Il n'y a pas un combat, qu'il soit de nature idéologique, qu'il soit de nature guerrière et sauvage, qu'il soit combat de la liberté ou de certains bonheurs, sans qu'un lieu construit, bâtiment, place, n'y soit lié d'une manière ou d'une autre. Ici, une tour à Sarajevo. Il y a toujours, comme acteur ou témoin, une architecture, normale, puisque l'architecture, en tant que trajectoire et mémoire véhiculée, elle parle et elle raconte. Autre morceau choisi, « Je ne suis jamais allé à ». C'est un travail en cours qui réunit une série de courts textes et de dessins sous ce titre « Je ne suis jamais allé à », des lieux où, contrairement à ce que laisse entendre le titre, je suis allé ou pourrais être allé. Los Angeles, Paris, Messine, Bâle, etc. Je vais vous en lire un. « Je ne suis jamais allé à Berlin ». À Berlin, il y avait un mur qui a paru tomber très vite, d'un seul coup, un soir de novembre. C'était tout juste il y a 20 ans. On a cru l'espace d'une nuit à la chute de tous les murs du monde, comme si celui-là était le symbole de toutes les séparations.
On s'est à peine demandé ce qu'allaient devenir John le Carré et quelques autres. Aurait-il encore des histoires à raconter? Ou si la bibliothèque de Han Charoun allait être dévalisée en quelques heures par des affamés de livres libres. Puis avec le temps, Berlin est passé d'un mur à l'autre. Lorsque je ne suis pas allé à Berlin, j'ai compris que celui que l'on avait fait tomber a été remplacé par un amoncellement de lieux pour s'enfermer. Des ambassades, des banques, des faux châteaux, des mémoriaux de mémoriaux, des îles musées, une mélancolie de douceur de vivre, et même le regard sans pardon de Nefertiti, incroyable prisonnière. Pourquoi ce texte ici, parmi les indices de l'architecture? C'est un texte politique et peut-être poétique, ou l'inverse. C'est un texte de frontières, et en cela, au cœur du problème, au cœur de notre interrogation, qu'est-ce que l'architecture? L'architecture est l'art des frontières. L'art de dessiner des frontières. Notre époque semble affirmer, avec un apparent volontarisme, la disparition programmée des frontières. Alors l'art de concevoir des frontières pourrait n'être qu'un concept d'arrière-garde. Mais ce n'est pas la disparition des frontières qui est programmée. Nous sommes bien plus, en réalité, dans une reprogrammation obligée du statut des frontières. On sait pertinemment qu'en géopolitique, la disparition d'une frontière en fait simplement apparaître une ou d'autres, ailleurs ou d'une autre nature. Tous les murs de Berlin que l'on a connus dressés et tombés ont simplement changé de géographie. De même, les murs des maisons ont peut-être aussi changé de nature, de statut, mais sont toujours là. La dématérialisation de la matière n'est pas la dématérialisation des limites. On a pu le voir tout à l'heure avec le terminal de Yokohama, comme on peut le voir avec des centaines d'autres projets actuels. Les architectes tendent aujourd'hui à une sorte de fondu enchaîné architectural entre dedans et dehors, entre dessous et dessus, entre matière de l'artificiel et matière du naturel. Si l'articulation des plans géométriques, le vertical, l'horizontal, l'oblique, et leur architectonique ont longtemps été affirmés comme une condition de la construction mentale et physique de l'espace, les tendances actuelles, filles des flux et fluidités, veulent effacer les différences. Les différences de statut entre sol, mur et plafond, autant que les différences de corporalité des choses. Un simple exemple, l'air qui était autrefois était un contenu peut aujourd'hui devenir le contenant. Exemple, le nuage de Diller et Scofidio en 2002 à Yverdon-les-Bains. Tout semble désormais être dans tout. Déplaçons un peu, non pas la frontière, mais la question, en posant deux autres questions, par ailleurs aussi politiques qu'architecturales, deux notions qui fonctionnent toujours ensemble. Première question, combien de côtés a une frontière? Deuxième question, quelle est l'épaisseur d'une frontière? Combien de côtés a une frontière? Cela pourrait sembler n'être qu'un point de départ absurde. On sait pourtant que certaines limites sont posées pour n'avoir une action que sur un seul côté. Les nouvelles frontières de l'Europe ont quelque chose de cela, comme le mur de Gaza ou la frontière à Tijuana, et n'empêchent pas de sortir, mais d'entrer. On pourrait d'ailleurs parler de l'architecture même de ces frontières qui sont en soi de véritables machines paysages. Ce serait un vrai surjet architectural. Restons toutefois, pour l'instant, au concept de frontière à côté unique. Puisque ce type de frontière n'a qu'une seule fonction, elle instaure un rapport d'autonomie entre les différentes parties d'elles-mêmes, par exemple dedans-dehors ou proche-lointaine, selon le cas. Il y a un exemple choc de ce cas de figure, c'est le musée Guggenheim de Bilbao. Extraordinaire machine urbaine, c'est un musée banal en tant que musée. Il n'apporte du point de vue de la muséographie qu'un discours conformiste. Le musée existe depuis maintenant 10 ans. Jamais je n'ai entendu parler à quelconque visiteur à propos d'une œuvre qu'il aurait vue dans ce musée, d'une émotion qu'une œuvre d'art aurait provoquée. Je suis incapable de mentionner une seule grande exposition qui s'y serait tenue. C'est presque triste à dire pour les artistes qui y sont représentés, car le musée de Bilbao joue peut-être contre eux en les mettant d'une certaine manière dans l'oubli ou l'indifférence. Le musée Guggenheim de Bilbao est cruel pour l'art. Il enveloppe du vide. Mais combien est importante sa frontière noble et visible, institutionnelle, même si elle est agitée? Le Guggenheim est un landmark extraordinaire, devenu acteur, véritable prima donna d'une rénovation urbaine large. Si,
du musée Guggenheim. On sait pourquoi il a volontairement choisi de n'avoir qu'un côté, puisque son rôle était finalement ailleurs, celui d'être lui-même une œuvre d'art géante et de sauver une ville de la disparition de la géographie. Il y a d'autres exemples, nombreux par ailleurs, d'architectures qui ne sont faites que pour envoyer la balle ou le regard. Des architectures qui n'ont pas de programme autre que celui de paraître, qui n'ont simplement plus de programme. En cela, elles ont peut-être perdu le statut d'architecture, car devenues juste des objets. Question suivante. Quelle est l'épaisseur d'une frontière ? Sujet d'actualité, lorsque j'étais enfant, le terrain de football sur lequel nous jouions longeait la frontière. Le terrain était en Suisse. Lorsque la balle sortait, nous allions la chercher en Italie. La ligne blanche était pour nous plus forte au niveau footballistique que géographique. À quelques centaines de mètres de là, la même ligne de frontière avait une toute autre épaisseur. À La Cure, dans le Jura, une maison est placée sur la frontière franco-suisse. La porte d'entrée de la maison est en Suisse. Le tabac qui est dans la maison s'ouvre en France. Bien sûr, ce sont là des petites anecdotes du quotidien qui paraissent certainement plus adaptées à servir de pitch pour des séries télé genre Plus belle la vie qu'à une conférence sur l'architecture. Pourtant, ces anecdotes portent dans leur banalité une idée devenue, elle est en réalité depuis toujours, une problématique majeure du nombre de projets d'architectes. Comment concevoir une frontière, non pas pour simplement séparer deux espaces, mais pour en faire un espace habitable en lui-même, pour en faire une enveloppe qui respire et qui appartient simultanément aux deux espaces qu'elle côtoie, comme la piscine d'Alvaro Siza à Porto, lieu de béton flottant entre rives et océan. Entre la frontière à côté unique et frontière habitable, il y a un renversement de point de vue radical, parce que cela nous transporte à nouveau de l'architecture objet à l'architecture mouvement. La question est d'ailleurs autant technique que conceptuelle. Dans l'architecture classique, le mur réunit dans une seule épaisseur toutes les fonctions suivantes. Servir de structure portante, isoler du froid ou du chaud, abriter de la pluie, se protéger de l'autre ou le surveiller, etc. Ces fonctions multiples qui répondent en réalité à des critères différents peuvent être dissociées techniquement et conceptuellement. Le mouvement moderne a ainsi dissocié la structure portante de la paroi de séparation. Mais le processus de dissociation a aussi été poussé aujourd'hui bien plus loin. La fonction protégée du vent ou de la pluie peut s'autonomiser de la fonction protégée du froid. Protégée du soleil et protégée de la vue peuvent être traitées comme deux contraintes distinctes. Franchir un seuil et sécuriser sont aussi des choses ou des moments d'instinct distincts d'un bâtiment. Voir les choses sous cet angle permet d'arriver à la notion de limite épaisse, notion fondatrice, me semble-t-il. Fondatrice du point de vue du programme, car cela mène vers des espaces non programmés, des espaces à prendre, des espaces possiblement subversifs. Fondatrice du point de vue de la soutenabilité ou développement durable, on peut commencer à donner des réponses au plus près de chaque question. Dans une vraie économie de matière, on ne chauffe que ce qui doit être chauffé, les espaces intermédiaires fabriquent des tampons énergétiques, etc. Et dans la mise en place d'une vraie adaptabilité du bâtiment à ses futures transformations et démolitions, puisque le principe des couches permet d'intervenir localement en fonction du besoin et non globalement. Du point de vue politique, enfin, dans la mesure où l'épaisseur des limites est génératrice de situations acceptées, de mixité et d'impureté. L'architecture de la limite épaisse, plus que la revendication de la désobéissance, est une mise à disposition d'un outil pour de possibles désobéissances. C'est peut-être là une raison qui explique que si nombre de projets autour de cette notion existent, beaucoup sont restés à l'état justement de projets. Quelques exemples que l'on peut citer. La magnifique maison, mais jamais réalisée, maison suspendue de Paul Nelson, en haut à gauche. Ou tout aussi peu réalisée, la très grande bibliothèque de France de Rem Koolhaas, juste en dessous. Parmi les ouvrages réalisés, le centre Pompidou dans ses premières années d'existence, lorsqu'il n'y avait pas encore d'entrée précise,
ce qui faisait de son hall un incroyable carrefour urbain. Très intéressant de voir comment les questions de sécurité, donc l'obligation d'une entrée unique à Beaubourg, a complètement changé le rôle urbain de Beaubourg. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, c'était un bâtiment sans entrée. Donc, effectivement, l'épaisseur du hall, le hall du rez-de-chaussée, jouait ce rôle de cette épaisseur urbaine qui n'était ni un dehors ni un dedans, qui était un entre-deux où tout était possible. Ou, autre réalisation, le troublant projet du Frénois de Bernard Tchoumi à Tourcoing, croisant sous un ciel artificiel l'esprit populaire d'une ville et la haute performance des technologies artistiques. Du bâtiment au territoire, voici trois projets de ces 40 dernières années qui appartiennent à la même filiation inventive et critique qui représente trois étapes de l'épaississement des frontières. En premier, le monument continue de super studio. On pourrait se croire avoir certaines images dans le cas de figure de la frontière miroir. En réalité, le récit du monument continu consiste aussi en une bande dessinée avec quelques légendes intrigantes qui laissent supposer qu'il y a un intérieur, même si nous ne savons pas très bien lequel il est et comment y accéder. Mais lorsqu'on regarde les légendes de cette petite bande dessinée, notamment les images 42 ou 47, on voit qu'effectivement, on parle d'un intérieur mystérieux. Quelques années plus tard, apparaît ce qu'on pourrait un peu schématiquement décrire comme une suite au monument continu. C'est le projet Exodus de Rem Koolhaas et Elias Engelis. Dans ce projet, on en sait un peu plus. On apprend comment on accède, le rituel d'entrée y est décrit, et ce qu'il y a à l'intérieur de cette épaisseur blanche qui semble un autre monde. C'est en réalité une autre représentation de la ville que l'on vient de quitter. Mais ici, elle se présente non comme un lieu de résidence, mais comme un outil de combat et de mutation idéologique. La ville du dehors et la ville du dedans sont chacune l'échappatoire et l'explication de l'autre. Troisième projet auquel j'ai collaboré, le parc de la Villette, réalisé par Bernard Tchoumi dans les années 80. L'interminable mur blanc du monument continu et d'Exodus s'est fragmenté. Le rite du passage n'est plus nécessaire. L'intérieur est devenu visible comme dans un écorché anatomique. Cet intérieur est un espace révélateur de différences, d'imprévus, de déconstruction de certitudes. Par son système de couches, points, lignes, surfaces, par sa localisation dans la ville, par la période de débat dans laquelle il est né, le parc de la Villette a pu devenir une épaisseur habitable glissée dans des contextes existants, les superposant les uns aux autres. Épaisseur du fluide, de l'ouvert, de l'indéterminé, du conquérable. L'architecture a la caractéristique d'être un risque permanent. Les NIMBYs, not in my backyard, faut le dire, se cachent toujours quelque part, prêts à faire basculer l'espace qui s'offre et se partage en un espace réservé aux refusés d'ailleurs. Fragilité évidente des concepts face à la vie, ou plutôt face au détournement de la vie. Et démonstration que l'architecture ne peut être un art, ou mieux un acte solitaire. Pour devenir bonne architecture, elle a la nécessité d'être accompagnée avant, pendant et après par d'autres engagements, par d'autres intelligences, par d'autres courages obstinés. Je parle évidemment du social, de la politique et de l'économie. Collage sans fin. On trouve encore parmi les indices quelques collages faits par jeu. La Stahlhaus démultipliée, le terminal dont on a parlé tout à l'heure, devenu un monument continu sur la mer. Un double portrait de Curzio Malaparte, de la casa come me à la casa come tutti, de la maison comme moi, c'est comme ça que Malaparte appelait sa fameuse maison à Capri, à la maison comme tout le monde. En fait, les architectes rêvent du projet sans fin. Plus que du projet qui épaissit la frontière dans l'espace, les architectes ont l'amour du projet sans fin dans le temps, ou du projet qui contient tous les autres projets. Et à cela, il y a certainement une raison. À force d'être mis devant la condition d'inventer la forme de notre environnement, l'architecte en vient logiquement à penser et dessiner le projet continu.
comme si on était toujours amené à construire seulement un fragment d'un projet beaucoup plus global. C'est en réalité le cas. Dans un projet, l'architecte, au-delà des données qui forment son cadre de contraintes, cherche à mettre en place des règles pour un projet qu'un autre architecte viendra faire après lui, architecte qui lui-même inventera des règles nouvelles pour un éventuel poursuivant. Cette fuite en avant, qui peut paraître de la présomption, est en réalité une condition utile et nécessaire du projet. C'est encore une fois reconnaître que l'architecture n'est ni objet ni assemblage d'objets, mais processus continu, même si segmenté. Comme une course de relais de 4 fois 100 mètres, où un coureur saisit le témoin, avec certains risques dont celui de tout perdre, fait sa course et transmet le témoin au coureur suivant. Chaque coureur a la responsabilité autant de sa propre course que celle de la course dans son intégralité. Cela nous ramène encore à une question ancienne qui ressurgit comme enjeu contemporain, même si elle est en réalité une antique condition de tout projet d'architecture. Je veux parler du développement durable. Ce développement durable qui nous met très directement face au projet d'architecture comme trajectoire qui relie. Dans un processus de projet, y a-t-il une part plus importante que d'autres ? Dans nombre de pays, les structures institutionnelles qui régissent la profession d'architecte ont tranché. Elles s'accordent pour établir un découpage des prestations de l'architecte en phases, études préliminaires, avant-projet, projet, etc., qui, en termes de responsabilité et de rémunération, donne plus de poids aux phases d'exécution qu'aux phases de conception. À titre d'exemple, la fameuse norme suisse SIA 102, fameuse parce qu'elle a inspiré après la réglementation d'un certain nombre de pays, qui codifie parfaitement les différentes missions, les phases préliminaires et d'avant-projet pèsent pour 9%, alors que les phases d'exécution représentent le 42%. Cette vision, apparemment pragmatique et représentative du monde du fer, a-t-elle encore toute sa pertinence alors que la soutenabilité est devenue une condition fondamentale, voire le socle conceptuel de toute transformation du cadre de vie? Tous les enjeux que porte un projet sont en réalité présents dès sa genèse, présents et immensément prégnants. Chaque projet a quelque chose d'unique dans la mesure où il est l'expression d'un besoin particulier et pour celui qui le formule, hautement précieux. À l'inverse, tous les projets ont quelque chose en commun. Ils appartiennent au monde. Ils exigent une approche globale et pluridisciplinaire qui passe par un positionnement ou repositionnement des demandes dans un contexte large. Dans sa signification profonde, le développement durable est finalement ce lien que l'architecte doit tisser entre la singularité de chaque projet et son appartenance au monde. Savante combinaison de recherche raisonnée et d'intuition, l'acrobatie intellectuelle initiale, celle qui permet de faire les bons choix entre potentialités à en explorer, vrais enjeux, fausses bonnes idées et cul-de-sac programmatique, cette acrobatie intellectuelle, engagée au stade des toutes premières hypothèses, est déterminante pour porter le projet vers des solutions qui se révèlent, au bout du compte, simplement justes. Finalement, l'art du projet est un cheminement complexe pour donner une réponse qui s'impose comme évidente. Pratiquer l'architecture suppose la nécessité méthodologique d'anticiper la globalité du projet dès son départ, sans se laisser prendre, d'une part, par la facilité de réduire les termes auxquels on a recours lorsqu'on entre dans les problématiques de la soutenabilité, HQE, Agenda 21, etc., à des concepts techniques au détriment de l'engagement humaniste, voire politique, qu'elles induisent, et d'autre part, se laisser prendre par l'idée de l'œuvre unique. Anticiper la globalité du projet, c'est ainsi se laisser aller aux risques et plaisirs des projets sans fin qui, même si on en réalise une partie infime, portent en eux les gènes d'autres projets de construction à venir, qui auront d'autres formes, d'autres auteurs, d'autres règles, d'autres habitants aussi, mais auront la qualité d'avoir privilégié le making-of intellectuel et émotionnel aux questions de style. Et puisque nous sommes dans une école d'architecture, revenons une seconde à l'enseignement de l'architecture en posant la question suivante. Quelle posture possible, quel cheminement envisageable enseigner à celui qui veut devenir architecte aujourd'hui? Je reprends la citation de l'architecte catalan Martorell, déjà mentionnée en début de cette conférence. La bonne architecture, celle qui transforme la ville et sert la société, se reconnaît par la gêne qu'elle provoque. Citation qui, pour un architecte praticien et ou enseignant, a une saveur d'exemplarité. Cette gêne nécessaire ne relève pas de questions de forme, de style, ou plus généralement de l'image. Elle est produite
par le fait que chaque projet oblige l'architecte à se mettre dans une condition imprudente, celui du sceptique constructif. On pourrait rapprocher la citation de Martorell d'une position de l'écrivain argentin Julio Cortázar, qui savait la valeur de certains combats. Il souhaitait que ces textes soient une incitation à ne pas accepter les choses comme reçues, comme fatales. Je ne voulais pas m'attarder aujourd'hui sur mes propres projets, réalisés ou pas. Ce n'est pas la bonne situation pour le faire. Mais mes positions vont au-delà de mon travail personnel. En revanche, j'ai parlé ce soir de désobéissance, de combat, de violence de l'architecture, de frontières lisses, perméables ou osmotiques, de soutenabilité, de passage de témoins. Parler de tout cela suppose que j'aille plus loin que le seul discours. Je ne vous montrerai pas des projets, mais ce qui peut les précéder, une petite boîte à outils personnels, incomplète bien sûr, une petite collection d'indices autour de projets de frontières et de projets sans fin. Je vais vous montrer un projet, la maison valise sur les frontières de l'intime, la maison du gardien ou du regardien ou les frontières du regard, le musée dispersé ou les frontières du programme, et le zoo des architectes, projet réalisé avec les amis ici présents de G-Studio à Lausanne en 2005, ou les frontières du rôle de l'architecte. La maison valise, frontière de l'intime, c'est une valise de format traditionnel dans lequel on range toute sa vie, son corps, ses souvenirs. Donc il y a une niche pour chacune des choses finalement dans lequel qui correspondent peut-être à un point de la vie, c'est-à-dire l'empreinte du corps, le masque d'intimité, la boîte aux lettres, le tiroir des objets trouvés, le coffret des objets personnels et photos de famille, l'orifice pour passer la main pour se gratter le dos, donc le soin du corps, l'étui à lunettes, quelques objets indispensables pour voir le monde, les étagères pour livres de poche, la culture, le siège escamotable, le repos, le réceptacle pour une bonne bouteille de Bordeaux, la cave minuscule. Donc c'est une chose qui s'ouvre, tout se déploie et autres. Voilà. Chacune des pièces, donc chacune de ces petites pièces, apporte la réponse la plus minimale à un besoin de la vie. Ranger son corps, s'isoler du monde, communiquer avec les autres, acquérir et posséder, soigner son corps, voir au loin, chercher un instant de plaisir et tutti quanti. La maison du gardien, ou du gardien, c'est un projet qui date d'avant 2001, ce qui explique l'image, la dernière image. C'était une maison, projet imaginé, une idée de projet, une maison dans laquelle la seule chose que l'on peut faire, c'est regarder. Donc chaque pièce est tournée d'une certaine manière. On va aux toilettes en regardant dans une direction, on est dans la cuisine en regardant une direction, on dort en regardant une direction et autres. C'est donc la maison du gardien, de l'observateur, qui peut devenir un objet pour le gardien de musée, pour le gardien de la tour, pour le gardien de la station de métro, pour le gardien, etc. Voilà, c'était, si on pousse à l'extrême une idée, un programme, ici le regard, qu'est-ce que ça pourrait donner comme forme architecturale? Le musée dispersé, ou les frontières du programme, c'est l'idée, c'est une histoire assez longue en fait dans mon travail, puisqu'il y en a eu plusieurs étapes. Mais il y a eu, entre autres, le fait de constater qu'il y a quelques années, à Lausanne, il y a eu un concours, enfin, il y a eu un processus extrêmement long pour construire le nouveau musée des Beaux-Arts. Concours pour un projet au bord du lac. Concours est gagné par un bureau zurichois. 3 ou 4 ans de procédure. Un vote pour refuser qu'on construise au bord du lac. Le projet est annulé. On lance une nouvelle procédure pour placer ou mettre, pour trouver un lieu pour ou mettre le nouveau musée.
Tout le monde se propose, telle ville, on pourrait le mettre là, on pourrait le mettre, etc. Donc une commission de 300 personnes se réunit pour savoir où on met le musée, etc. Et autres. On choisit finalement un lieu. Ce lieu, on le choisit pour des questions purement politiques, pour sauver la tête du maire de Lausanne, qui était défenseur de ce musée. Mais ce lieu ne pourra pas se faire, parce que c'est un lieu qui a une telle rentabilité économique qu'ils s'installeront certainement des bureaux. C'est juste à côté de la gare, et il ne s'installera jamais le musée des Beaux-Arts. En plus, c'est dans une structure ancienne protégée qui est immodifiable au niveau des monuments historiques. Donc, impossible. Donc, on a, en 10 ans, on est arrivé à parler de où pouvait être le musée, et on n'a jamais parlé de qu'est-ce que pouvait être un musée. Et moi, je me suis dit, mais finalement, un musée, on pourrait le penser différemment. On pourrait faire un musée dispersé. On pourrait imaginer ce qui est, on pourrait dire, déplaisant dans les musées, même s'il y a des très beaux musées, c'est que c'est effectivement une, on pourrait dire, c'est devenu une affaire, il faut réserver sa place, on ne voit plus les tableaux, parce que quand on est devant un tableau, il y a 300 personnes devant soi, donc on distingue juste un petit coin de tableau. En fait, on ne va plus au musée pour voir les œuvres, on voit les musées, parce que pour les produits dérivés, acheter des livres et manger au restaurant, ça c'est le vrai but économique des musées. Donc le musée, aujourd'hui, a complètement changé de sens. Et il me semblait que ça pouvait être intéressant de proposer un musée dans lequel on était encore, l'instant de sa visite, le propriétaire de l'œuvre que l'on regardait. Il y a un exemple de ceci, c'est dans le Tessin, un musée qui s'appelle la Congiunta, ça, on ne peut pas appeler ça un musée, c'est une construction construite par Peter Merkley à Giornico, une construction en béton consacrée aux œuvres d'un sculpteur danois. On arrive, on va demander la clé à l'auberge du village, on quitte, on prend la clé, on traverse le pont, on arrive, on voit cette construction en béton, on ne sait pas où mettre la voiture, il n'y a pas de parking, il n'y a rien, on la laisse au milieu d'un champ, on marche dans un champ un peu boueux, on ouvre une porte métallique, pas très confortable, et on entre, et pendant là, on reste 10 minutes, une demi-heure, 3 heures. Le temps qu'on est là, on est le propriétaire du musée. On regarde les œuvres, après on part, on ferme la porte, on rend la clé, on signe un livre, juste pour dire, on voit sur la liste, finalement, que 3 jours avant était passé quelqu'un qu'on connaît, etc. Et, autres, et ça fait des espèces de réseaux de complicité. Et je me disais, on pourrait peut-être restituer des musées de cet ordre-là, c'est-à-dire faire un musée dispersé, un peu comme des chapelles en montagne. Parfois, on entre, il y a une chapelle, et puis il y a une œuvre romane, une madone romane très belle. Personne ne la protège, personne ne la vole. Ça arrive qu'on la vole. Mais on ne pense pas forcément à la voler, on est tellement pris par la beauté de la pièce et autres. Voilà. Et qu'on pourrait inventer ce genre de choses, on peut inventer des moyens de protection, et que finalement on pourrait utiliser ou construire des petites constructions, soit utiliser des lieux abandonnés, stations-service au bord de petites routes qui ne servent plus, ou comme ici, construire au milieu d'une autoroute un musée, on en prendrait la voiture, on arriverait, on verrait une toile et puis on repartirait. Ça, c'est pas très écologique, mais c'est marrant. Ça permettrait tout à coup de se détendre l'instant d'une seconde et autres. Et ça, c'était une manière, enfin, ce projet-là qui est purement dessiné, il y a quelques typologies. Alors, on voit ici, il y a des typologies, situation de pente au-dessus du lac Léman. Pour les donner ça, situation de mur, situation de la croix ici, c'est l'autoroute et autres. Ça, c'est une station-service détournée et autres. C'était une idée de dire, finalement, si on poussait les frontières du programme sur la question du musée, peut-être que cela pourrait donner ça. Et puis, dernier petit projet que je vous montre, donc fait avec G-Studio, l'idée, au cours d'un festival qui s'appelle les Festivals Les Urbaines, c'était de faire 3 cages, c'est pour ça que ça s'appelle le zoo des architectes, 3 cages, la cage de l'architecte docteur, la cage de l'architecte confesseur et la cage de l'architecte prisonnier.
Chacune de ces cages avait une typologie un peu semblable, vous verrez tout à l'heure, sauf que le placement de l'architecte dans la cage était une fois dedans, une fois sur la limite et une fois à l'extérieur. Et ces architectes, donc les trois architectes de chez Studio, qui jouaient les rôles de ces trois rôles-là, moi j'étais l'arbitre, donc c'est moi qui dirigeais les personnes vers les cages. Donc moi j'étais l'arbitre sur une chaise d'arbitre de tennis. Et puis il y avait les trois cages, voilà. Et le public venait et racontait un espace qu'il souhaitait voir construit ou voir imaginé et autres. Et l'architecte, qui avait perdu l'usage de la parole, un peu comme dans les fables de Italo Calvino, répondait par un dessin et offrait ce dessin aux visiteurs qui partaient, qui avant de partir le photocopiaient. Et on affichait après, au fur et à mesure, tous les dessins qui étaient produits sur un mur, qui faisaient une espèce de paysage de tous les désirs, questionnait finalement un peu le rôle de l'architecte sur effectivement comment il pouvait, face à certaines demandes, détourner la demande, jusqu'à quelle désobéissance introduisait-il par rapport à la demande. S'il était nécessaire d'introduire des désobéissances. Et je trouvais que c'était à la fois, les amis de chez Studio pourront le raconter, c'était une expérience passionnante et épuisante, parce qu'il fallait penser vite et bien, mais en même temps c'était extrêmement intéressant pour vous, pour la question de ce rapport à l'architecte. Alors ici vous avez la maison du docteur et la chaise de l'arbitre, ici toujours la chaise de l'arbitre et la maison du confesseur. Ici, vous avez Olivier Gréder en train de dessiner. Puis, j'avais fait des remplacements. Donc, j'étais aussi entré dans une des cages, comme on voit ici, en train de dessiner. Ces esquisses de projet, ces débuts de quelque chose à venir, vont tous chercher quelque chose dans mon univers et dans mon parcours personnel. Cette part de soi dans le projet me permet de terminer cette conférence par un dernier et court chapitre que j'intitulerai « Petite chose devenue grande ». Small is beautiful. Au-delà des mots lourds de sens que j'ai prononcés, désobéissance et tutti quanti, il en est encore un que je voudrais mentionner. Un autre mot lui aussi lourd de signification, mais que je traiterai avec la même légèreté avec laquelle a débuté cette conférence. C'est le mot « cohérence » ou mieux « fidélité ». On peut voir chez certains architectes connus, dont on voit évoluer la carrière, une vraie fidélité à leur prise de position théorique de jeunesse, même si elle se présente parfois masquée. Du Chumi de 1980 et sa grande séquence cinématographique du deuxième épisode des Manhattan Transcript, The Street en haut, qui est un parcours sur la 42e rue de New York. Au Chumi de 2009 dans le musée de l'Acropole, avec cette rue, ce déplacement qu'il organise devant les frises du Parthénon, il y a fidélité. Il y a fidélité dans la conception d'un déplacement du corps comme origine d'architecture. Entre le Koulas obsédé dès les années 70 par les rampes, les prisons et les traversées de piscine, et le Koulas d'aujourd'hui, il y a fidélité. Ici, en 2005, la bibliothèque de Seattle. Et terminons par mentionner quand même un monstre, au sens où les Italiens utilisent ce terme, dont j'ai peu parlé ce soir, alors qu'on l'attend forcément dans une conférence sur qu'est-ce que l'architecture. Je veux parler de Le Corbusier, dont l'œuvre est traversée, voire portée par la rigueur de l'angle droit de son enfance calviniste et chaudefonnière, et adoucie par les rondeurs de quelques rêves azuréens ou exotiques. La rencontre de l'horloger de Joséphine Becker. Rencontre résumée dans ce dernier collage, hommage à un autre chaudefonnier éternellement en mouvement, comme l'est l'architecture, Blaise Cendrars et sa prose du transsibérien. Dit Blaise, sommes-nous encore loin de Montmartre? Ce soir, je n'ai certainement pas défini ce qu'est l'architecture avec un grand A. J'ai juste tracé quelques pistes volontairement incomplètes qui m'ont fait passer, et vous avec moi, je l'espère, de l'intranquillité du projet à l'invitante incomplétude de l'architecture. Merci.
Merci beaucoup, Luca Merlini. S'il y a des questions, je pense que c'est le bon moment pour profiter encore un petit peu de la présence de Luca Merlini parmi nous. Merci mille fois, Luca. C'est magnifique collage aussi. C'est magnifiques idées collage. Et de ta continuité et ta fidélité à la subversion, je voulais juste savoir où est le pays des maisons longues. Pardon ? Où est le pays des maisons longues ? Alors, le pays des maisons longues, c'est un. C'est ce que j'espère que tu découvriras dans quelques mois. C'est un travail qui a été. Disons, littéralement, c'est un travail que j'ai fait effectivement sur la question du « comment habiterons-nous demain ?» qui était le thème d'un concours qui a eu lieu à Zurich il y a 2 ans maintenant, et pour lequel j'avais imaginé qu'on pourrait choisir 8 thèmes qui vont obséder notre société à venir. Ces 8 thèmes, c'était la fin des énergies, mais la non-fin des savoirs, c'est la peur généralisée. La peur généralisée, c'est qu'on a peur de tout, de l'autre, de l'immigré, de perdre son travail, on a peur de tout. Il y a aussi des choses positives, l'amour, des choses comme ça. Bon, il y avait 8 thèmes, et chacune de ces thèmes portait à dessiner une maison, un peu un case study, au sens, effectivement, qui répondait à cette question-là. Puis après, je les mêlais 2 à 2, comme dans un tournoi de tennis, et à la fin, ça donnait effectivement, le résultat était la maison longue, qui est cette image que vous avez vue, qui n'est pas la maison la plus intéressante, parce que c'est la maison, effectivement, où se sont accordées des choses non accordables. Mais c'est la question à laquelle nous sommes confrontés toujours comme architectes, c'est-à-dire de concilier des demandes contradictoires. Alors ça, c'est l'histoire de la maison longue. Et la maison longue, après, c'est un des chapitres. Il y aura 6 chapitres dans le livre qui s'appellera Les maisons longues. Certains qui sont des vrais projets d'architecture. Il y a un projet sur la fabrication de la ville, qui reprend un peu les mêmes thèmes, c'est-à-dire qui s'appelle Revisiting Hieronymus Bosch, RHB, Rassemblement d'habitants banals ou Revisiting Hieronymus Bosch. RHB, voilà, c'est un travail sur comment se fabrique la ville en marquant des choses. Voilà. Les maisons longues, elles sont à la fois un peu partout et puis dans ma tête. Voilà. Et ça sort quand ? J'espère ou juste avant l'été ou à la rentrée. Voilà. Merci pour toute cette combinatoire de poésie, de cette architecture, des mots, etc. La question que je me suis posée tout au long de ta présentation, c'était finalement, tu ne parles pas beaucoup du lieu. Tu ne parles pas beaucoup du lieu. Alors, je reviens juste d'évoquer le pays de la maison longue, mais le lieu dans ta... Juste, c'est... Parce que comme, à part les habitants de la Lune. À part les habitants de la Lune et le pays des maisons longues et les éléments. Je parle de frontières, donc parler de frontières est aussi bien physique et autre, c'est aussi une manière de parler de lieu. C'est vrai que je ne cite pas, je ne parle pas de contexte ou autre, c'est-à-dire je le prends comme une donnée, c'est qu'on travaille toujours sur un lieu, mais effectivement, le problème c'est que de ce lieu, on va faire un autre lieu qui lui est censé être fermé, même s'il est très ouvert, est censé être fermé, et que ce qui m'intéresse, c'est cette épaisseur qu'il va y avoir entre ces deux lieux. Voilà. Et effectivement, après le contexte a évidemment un sens, parce que ça ne se fabrique pas cette épaisseur ne se fabrique pas de la même manière dans un lieu qui a telle culture, dans un lieu qui a telle topographie, que dans un autre lieu qui a une autre topographie et qui a une autre culture.
à dire merci. Il n'y a pas d'autres questions? Vous voulez voir la deuxième mi-temps, c'est ça? Il y a juste le temps de courir. Il y a peut-être une prolongation.